Bien, donc aujourd'hui on va voir maintenant comment insérer un lien proprement dans un post de WordPress. J'ouvre donc mon blog, je vais prendre dans l'ordre le titre, insérer un lien. Je tape le corps de l'article. Voilà. Et en dessous, je vais insérer une image. Donc je clique sur Add Media, je cherche une image de ma librairie, par exemple celle-ci, insérer dans le poste, voilà, et maintenant je clique sur mon image pour l'activer. Elle se trouve avec quatre petits coins autour, et je clique sur le bouton Insérer un lien. Par défaut, il y a le lien de l'image. Je vais le changer pour mettre le lien qui me convient. Par exemple, celui-ci. Bouton droit. Copier. Je retourne dans mon blog et à l'URL, bouton droit. Coller. Si je veux mettre un titre, je peux le mettre. Photo Inde. Voilà. Je peux les ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je fais Update pour mettre à jour mon lien. Si je veux voir ce qui se passe, je clique sur Preview et je vois mon blog, mon image, une petite main sur l'image. Quand je clique, une nouvelle fenêtre s'ouvre et j'ai les photos du lien en question. Magique. Je ferme et je peux bien entendu répéter ce travail en mettant dans le site au lieu d'une image, simplement du texte. Voir les photos. Je sélectionne mon texte. Je clique insérer un lien. Là, il est vierge, bien sûr, puisque c'est du texte. Bouton droit. Coller, puisque j'ai encore en mémoire le lien précédent. Il a gardé les options précédentes, ouvrir dans une fenêtre, ajouter un lien, add a link. Et voilà, ce lien, je peux, c'est du texte, le centrer. Et maintenant, je peux aller le voir, ça va fonctionner pareil, ça ne sert à rien, donc je fais publish. Et pour voir si ça fonctionne, view the post, et j'ai bien mon image, mon lien texte, et voilà, et c'est terminé.